La nouvelle unité d'oncologie pédiatrique Charles Bruno fait du bien à tout le monde. Recevoir des traitements de chimio dans un environnement plus agréable et intime met un baume sur le cancer et facilite le travail des intervenants. Dès 8h le matin, les mardis et jeudis, l'équipe multidisciplinaire du Dr José Brossard accueille ses premiers patients. On compte jusqu'à 5. Jusqu'à 5? 1. C'est toujours la même routine, on arrive, puis on s'enregistre. Après ça, on vient directement ici prendre les prises de sang. Puis après ça, on va dans la salle d'attente, on joue. Puis quand on a les résultats, mais là, ils vont commander la chimiothérapie. Puis on va avoir le traitement. On se promène. Jacob a 6 ans. Il souffre d'une leucémie lymphoblastique aiguë diagnostiquée il y a 1 an et demi. C'est les enfants qui nous permettent de bien passer à travers ça. Parce qu'ils développent une force qui est assez incroyable. Ils sont, sont de bonne humeur. Ils viennent ici, puis... ils sont fatigués un peu, mais ils viennent pas de reculons. Ils sont contents de venir à l'hôpital. Ils sont contents de voir les gens ici. Ils sont contents de voir les amis jouer ensemble. Ils aimeraient aller à l'hôpital. Je pense que ça a changé énormément leur qualité de vie, leur bien-être quand ils viennent pour leur traitement, quand ils viennent pour leur suivi. Principalement, je dirais, au niveau de... l'intimité que ces patients-là et leur famille peuvent avoir. On a 6 lits, là, 3 qui sont un peu plus ouverts ici, mais 3 qui sont vraiment dans les chambres fermées, avec toutes les commodités dont ils peuvent avoir besoin, en tout cas, je pense. Moi, je le vois. Plus de calme, plus de sérénité chez les patients quand ils viennent ici. C'est sûr que quand on avait juste une petite salle, que fallait... En fond, c'était un peu un travail à la chaîne qu'on faisait, parce qu'il fallait tous les piquer un après l'autre. On ne pouvait pas leur permettre de rester un peu après, dans la salle, mettons, pour être consolé par papa ou maman. C'est bon, ben excusez, je suis désolée, j'ai besoin de la place. Retourner dans la salle d'attente, j'en prends un autre tout de suite. Sont-tu gelées, mes mains? Elle parle aussi fort qu'avant, maman? Non, non. L'équipe de José Brossard est composée d'infirmières, dont Lise est la doyenne, d'une psychologue et d'une travailleuse sociale. J'évalue le fonctionnement social, les impacts de la maladie dans l'unité familiale, les besoins, les difficultés vécues, les stresseurs financiers pour référer vers les bonnes ressources. Moi, mon rôle, c'est vraiment de m'intéresser là, aux impacts de la maladie chez l'enfant, mais aussi les proches, donc la famille, les parents, la fratrie. Puis en collaboration avec la travailleuse sociale, aussi, on va se partager nos rôles selon les situations. Tu fais quoi aujourd'hui dans ton vie? La pizza. Pour compléter l'équipe du Dr Brossard, il faut compter sur la participation d'Isabelle comme massothérapeute de Lucan. Elle sent le chocolat à pizza. Ils me répondent souvent qu'ils oublient. Ils oublient qu'ils sont à l'hôpital pendant ce temps. Tu n'es plus mort. Oui. Pour sa part, Patrick, aussi de Lucan, agit comme intervenant en art-thérapie. Ce que tu vois dans tes mains, c'est quoi encore? Ça? Oui. C'est un trésor avec une roche magique. Trésor avec une roche magique. Puis dis-moi encore, c'est quoi la roche magique? C'est quoi son pouvoir? Son pouvoir, c'est toi qui contrôles le temps. Contrôler le temps. Faut un peu rentrer dans leur univers à eux, puis essayer de les faire rire, leur faire oublier un peu ce qui se passe ici, que ben, garde la vie continue, puis il faut quand même qu'on ait du fun, qu'on s'amuse. Vanessa a 16 ans. Elle est en attente d'une greffe de moelle osseuse, alors que Maxime, 17 ans, vient de traverser une rechute et une greffe de moelle osseuse. Des liens se tissent entre eux, tout naturellement. Patrick intervient aussi auprès des adolescents qui ont parfois une grande colère à exprimer. Prince, tu sais, qui m'a rentré dedans, man. C'est une rechute. Comment? Maladie est revenue. Ça a... Bac! Ça a rentré dans la Westphalia, man. Si t'as beau avoir des roues, c'est à Westphalia, scrap. Puis c'était ça la lumière qu'il y avait au bout du tunnel, pendant que j'étais presque arrivé. Ouais. Mais finalement, cette lumière-là, c'est un train qui me rendait. C'est incroyable. À fond dans la vie, malgré la maladie, et ce, dans un lieu inspirant comme la nouvelle unité d'oncologie pédiatrique Charles Bruno.
c'est pas mal plus beau, c'est plus, hein, tu sais, ça donne plus le goût de venir. Tu te dis, tu te fais une chimio, mais au moins, t'as des belles choses. Les infirmières, elles sont superbes. José Brossard, c'est le meilleur médecin. L'équipe est chouette. C'est trop chaud. Je trouve que c'est accueillant. Puis ça donne le goût de venir voir. Parce qu'on n'a pas tout le temps le goût, là, mais au moins, tu sais. On est dans un endroit chaleureux, puis ils prennent soin de nous. Fait, on est bien. Maude Lallier a été très présente sur les médias sociaux, en plus d'avoir été une source d'inspiration pour plusieurs. Elle nous a accompagnés pour la visite de la nouvelle unité d'oncologie pédiatrique. Heureux hasard, Maude a croisé une des infirmières qui l'a traitée du côté des adultes. Atteinte d'un lymphome lymphoblastique de stade 4, Maude a subi une greffe de moelle osseuse il y a un peu plus d'un an et est actuellement en rémission. Quand on entend le terme cancer ou tout ce qui est associé à la maladie, c'est sombre, c'est gris, c'est lourd. Puis on dirait que juste l'atmosphère quand on arrive ici, c'est complètement l'opposé. Alors, je suis très impressionnée. T'as pas l'air de quelqu'un qui a été malade puis qui a subi une greffe de moelle. Ah, mais je suis contente de l'entendre. Maude avait beaucoup d'attentes quant à sa rémission. Elle croyait que sa vie, celle d'avant son cancer et ses traitements, reprendrait son cours normal. La vie reprend son cours normal, mais toi, tu te sens pas normal. Tu sais, il y avait aussi le fait qu'il fallait que je savais que j'allais devenir infertile. Je savais que j'étais en ménopause aussi, mais j'avais pas pris le temps, on dirait, de réaliser ce que ça impliquait sur ma vie, puis c'est rentré après coup. En fait, je constatais juste, j'étais vraiment plus comme avant, puis là, j'étais tellement dans une phase de transition. On dirait qu'à un moment donné, mon corps s'est littéralement détaché de mon esprit. Je le cacherai pas, j'ai encaissé des souffrances physiques assez extrêmes. Je pense que la seule façon de rester sain dans ça, c'est à un moment donné de juste un peu... Fallait que je sorte un peu de mon corps pour juste laisser passer les choses. Sauf qu'on dirait que quand j'essayais de reconnecter avec mon corps, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait certaines séquelles, tu sais. On dirait que je me sentais sauvage, j'aimais pas ça que les gens entrent dans ma bulle, de me faire toucher un peu. Tu sais, j'étais pas en possession de mon corps pendant tellement longtemps. Tu es dans ton lit d'hôpital, à tout bout de champ, il y a quelqu'un qui rentre, faut qu'il te fasse une prise de sang. Tu sais, ton corps t'appartient pas pendant que tu es en traitement. Fait qu'on dirait que quand j'en ai repris possession, tout était... On dirait que c'était bouleversant, puis je savais plus comment gérer mon corps finalement. Moi, j'ai eu peur de reprendre la vie normale. Oui. Ouais, ça me fait peur. Parce que tu es habituée dans un monde que tout le monde est pareil, tout le monde s'est compris. Mais maintenant, c'est plus la partie qu'il faut combattre, c'est la partie qu'il faut accepter. Puis c'est aussi difficile que de combattre. Même à la limite, je dirais même, ça peut être sournois aussi par moment. Puis l'acceptation se fait dans le temps. Il y a les répercussions, à mesure qu'on accepte, on les ressent de moins en moins. Ils ne vont pas disparaître. C'est juste que plus on accepte, plus ils vont se dissiper. Puis c'est comme ça qu'on arrive à retrouver un certain équilibre et une harmonie avec soi-même. C'est une deuxième chance à la vie, puis il faut savoir bien la saisir pour pouvoir en profiter pleinement.